On lâche rien. Public privé, on lâche rien. Actifs, chômeurs et retraités. Solidarité, c'est tous ensemble qu'on va gagner. Code du travail, il est à nous. On s'est battu pour le gagner, on se battra pour le garder. Code du travail, il est à nous. On s'est battu pour le gagner, on se battra pour le garder. Code du travail, les jeunes dans la galère. Les gars dans la misère, dans cette société-là, on n'en veut pas. Mort de cette société-là, on n'en veut pas. Les jeunes dans la galère, les gars dans la misère, dans cette société-là, on n'en veut pas. Les jeunes dans la galère, les gars dans la misère, dans cette société-là, dans cette société-là, on n'en veut pas. Hollande, il a perdu, il est perdant, il va la retirer, sa putain de gloire. Vous comprenez, on en a assez. C'est à nous, et est à eux, tous ceux qui sont, ils l'ont volé. Partage des richesses, partage du temps de travail, ou alors ça va péter. Ça va péter, il est à nous, et elle est à eux, tous ceux qui sont, ils l'ont volé. Partage des richesses, partage du temps de travail, ou alors ça va péter. Les avoir, les enculés du tout. Quel est le coq qui fait chier le drapeau derrière, merde. Thank you.
Tous les deux quarts de France. Valls, on n'est pas d'accord, fils de pute. Vous comprenez rien, l'État français de merde. Les gars! Retrait simple et voilà. Il y en a marre d'être considéré comme une vieille pomme qu'on épluche. Il y en a marre. Arrêtez tout ça. Tous ces vieux PDG qui prennent des milliards et nous on ramasse les miettes. Il y en a marre. Voilà. À cette société qui n'offre que le chômage et la précarité, précarise la jeunesse et vire les salariés. À cette société Il y a une immeuble en fait.
Hollande et le pont Hollande. Allez, allez. La barrière, allez, allez. Alors, moi j'ai déjà des informateurs sur Paris et déjà on est 600 000 et on n'est pas arrivé. 600 000. Plus nous on sera 600 000 50. Et j'ai pas bu. Non, ça va être. Et t'es pas de Marseille toi? Je suis pas de Marseille. Mais il va y avoir énormément de monde. Je l'espère qu'il y aura énormément de monde. Alors il faut bien dire que c'est pas la dernière manifestation, parce qu'on a l'impression que tout le monde pense que c'est le bouquet final, c'est de l'artifice. Mais non, ça s'arrête pas là. Voilà. Parce que normalement, notre secrétaire général, Philippe Martinez, devrait être reçu normalement vendredi par Mme El Khomri. Alors on ne sait pas ce qui va en sortir. De toute façon, à la CGT, nous, on veut le retrait total. Oui. Oui, Martinez. Attention, mais hey, Martinez, c'est peut-être le secrétaire général de la CGT, mais c'est pas parce que quand il l'a dit il n'y a pas longtemps dans une émission, c'est pas parce qu'il siffle que tout le monde est au garde à vous. Hein. C'est la base. C'est la base. C'est la base. On n'est pas la CFDT, c'est pas là-haut qui décide, c'est la base. Parce qu'on le rappelle quand même, 70% des Français sont contre cette loi travail. On sait bien que la plupart des médias sont pas pour nous. Si les médias disent qu'il y a 70%, on est certainement encore à des chiffres supérieurs. Mais on va gagner. Parce que les congés payés, ça va faire 80 ans. Et toutes les conquêtes sociales. Et il faut penser qu'à l'heure actuelle, s'il y avait des gens qui ne s'étaient pas bougés, et parfois malheureusement il y a des gens qui sont morts pour ça, alors qu'on ne soit pas d'accord avec ce qu'on défend, d'accord, mais qu'on ne nous crache pas à la figure, on nous traite de terroristes, de Daesh. Ben voilà, ça c'est terminé. De collabo, et on ne le tolère pas du tout. Et on lâche rien. Et on lâche rien. Assez de cette société-là. Demain, de cette société-là, oui. Les prêtres. Assez. J'ai voté Hollande parce que je pensais qu'il y aurait quelques petites avancées, mais je croyais quand même pas au Père Noël quand j'ai voté Hollande en 2012. Mais là, bon, on a atteint un point de non-retour. On l'a gobé, cette connerie. Mon ennemi, c'est la finance. Tu parles, on a bien vu la première négociation avec Merkel. Il s'est couché sous la table. Mais ce gouvernement est vraiment atroce. Parce que, un, il a été traître, et deux, il est sous une double pression. La pression de l'Europe, de la finance, le grand ennemi qui est maintenant devenu un maître, et la pression de la rue qui dit non, non, on ne veut pas de cette société-là. Et je pense que c'est pas pour les défendre, ce sont des scélérats, des traîtres, nous sommes très en colère, nous ne leur pardonnerons pas, mais ils doivent être très mal dans leurs chaussettes, et tant mieux pour eux. Mais ils doivent être très très mal dans leurs pantoufles. J'aimerais pas être à leur place. Mais pas du tout. Et c'est pas fini encore, je te l'ai dit. C'est le début d'une longue série.